Amen. Est-ce que vous nous revenez ce matin? Amen. Nous vous en parlons. Est-ce que vous nous revenez ce matin? Amen. Nous allons prendre le livre de Thomas, chapitre 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est sans nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau comme un à la boucherie, et il a une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert la bouche, et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru, et qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alléluia. La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Gardons ce passage et allons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1er. 1 Corinthiens au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 18.
au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 au verset 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il dit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nul l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Et nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Je veux nous parler ce matin de la croix. Je veux nous parler de la croix dans l'angle que l'Esprit de Dieu va m'aider à aborder avec nous ce matin. La croix qui constitue en elle-même la base de notre vie chrétienne, de la foi. Parce que quand on parle de la croix, nous ne voyons pas le bout de bois où le Fils de l'homme a été crucifié ou encore les malfaiteurs sont suspendus, pendus au bois à cause de leurs péchés, de leurs iniquités. Mais lorsque la Bible parle de la croix, la Bible nous parle de l'œuvre que Christ, le Fils de Dieu, devait accomplir. Et le prophète Ésaïe, qui est appelé le prophète messianique 8 siècles avant même l'avènement du Seigneur, va annoncer quelque chose. Il va dire, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que depuis le commencement, Dieu avait annoncé quelque chose qui allait se passer. Depuis l'origine, la Genèse même, Dieu avait un plan pour l'homme, l'humanité, un plan pour ramener l'homme autrefois déchu par le péché à la vie, à la restauration. Et ce plan-là a été annoncé. Et vous allez voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 2 par exemple, lorsque Dieu va façonner l'homme de la poussière de la terre, la Bible déclare qu'il va souffler dans ses narines un souffle de vie et l'homme va devenir une âme vivante. Dieu va planter un jardin en Éden et Dieu va placer là l'homme qu'il avait formé, façonné. Et la Bible déclare que Dieu va faire pousser de la terre plusieurs arbres fruitiers et dont il y avait deux arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal caché, ou je dirais incarner le mal. Et Dieu ne voulait pas que l'homme puisse avoir accès à cet arbre. Et vous avez l'arbre de vie qui était là, planté au milieu du jardin. Et cet arbre de vie, d'après la Bible, était une préfiguration de Christ qui donne la vie. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que vous verrez que le mot arbre, en hébreu, c'est etz. Et le mot arbre donne en grec xylon. Et les deux textes se relient. Le mot hébreu, arbre, et le mot xylon, en grec, nous donne bois. Donc, Christ était l'arbre de vie au milieu du jardin. Et Dieu, dans sa sagesse, savait, avant même que l'homme ne soit créé, que l'homme viendrait et qu'il pécherait, il tomberait dans le péché et qu'il aurait besoin de la rédemption. La raison pour laquelle dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Cela veut dire avant même que Adam et Ève ne soient créés, avant même que l'humanité ne puisse exister, Dieu en tant que sage architecte, en tant que omniscient, omnipotent et omniprésent, savait d'avance ce que l'humanité allait connaître. Et il prend le soin de crucifier son fils avant même la fondation du monde. Donc la présence de l'arbre de vie annonçait la croix. Et vous allez voir quand l'homme va pécher, Dieu va le chasser du jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, il est écrit au verset 15, Dieu dit, je mettrai inimitié, haine entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te blessera au talon
et tu lui écraseras, tu vas lui écraser la tête. La postérité de la femme écrasera la postérité du serpent, écrasera sa tête, et la postérité du serpent blessera la postérité de la femme au talon. Ça aussi, cette prophétie, cette parole de Dieu annonçait l'œuvre de la croix. C'est-à-dire à Golgotha, quelque chose s'est passé. La tête du serpent a été écrasée et Christ a été blessé. Et il y a eu plusieurs annonces parce qu'il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Plusieurs portions d'écriture parlaient autrefois de manière prophétique de la croix. Vous allez voir dans la Bible, lorsque Dieu va se révéler à Abraham, le père de la foi, la Bible nous déclare qu'il va un jour, lorsqu'il revenait de la victoire contre le roi de Kedorlaomer, il va rencontrer un homme, je dirais Melchisédek. Et ce Melchisédek, on nous le décrit un peu dans Hébreux chapitre 7. On nous dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Et il était rendu semblable au Fils de Dieu. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Melchisédek lui apporte le pain et du vin. Alléluia. Et le pain et le vin qui étaient l'image. Voyez, le pain, le corps de Christ qui devait être brisé à la croix. Et le sang qui devait couler. Voyez. Et ceci parlait déjà de l'œuvre de la croix. Et par l'œuvre de la croix que nous avons, nous, la foi. Or, Abraham ne pouvait pas être déclaré père de la foi sans au préalable rencontrer ou vu la croix. C'est pour cela que à son époque, avant même que Jésus ne naisse, de manière prophétique, Abraham a vu Jésus, il a vu Melchisédek. Pour vous prouver que cela est vrai, Jésus-Christ parle avec les pharisiens. Il leur dit, vous savez, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il dit, on lui dit, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu as déjà vu Abraham. Il dit, oui, Abraham a vu mon jour et il a tressailli. L'œuvre de la croix a été déjà imprimée depuis les temps anciens. Et Dieu successivement et de manière prophétique dans chaque temps et dans chaque dispensation avait réservé des choses qui devaient annoncer l'avènement du Seigneur, le salut de l'humanité. Laissez-moi vous dire, frère, que la croix est la base de tout. La croix est la base de tout. Sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Sans la croix, ta raison d'être ici n'a pas de sens. Alléluia. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et les prophètes sont venus, chacun à son tour, animés tous par l'Esprit de Dieu. Ils parlaient de la même chose. Je me rappelle un jour, dans la Bible, Dieu va se révéler à Joseph, plutôt à Jacob. Et Jacob va se mettre à donner des paroles, de libérer des paroles prophétiques concernant ses enfants. Et si vous avez rapidement avec moi dans le livre de Genèse chapitre 49, regardez ce qu'il est écrit. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8 au verset 10. Il est dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères et ta main sera sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant lui, devant toi. Et Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux et il se couche comme un lion et comme une lionne. Et qui la fera lever? Qui le fera lever? Le sceptre ne se loignera point de Judas, ni le bâton commande de commandement. Le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et au verset 11, il est dit, et il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Et il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et cette parole nous parlait aussi de l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le Messie qui devait venir et il devait verser son sang. Et le sacrifice des animaux, tout le sacrifice des animaux décrit dans le livre de Lévitique, annonçait aussi le sacrifice le plus grand et le plus parfait qui devait être livré pour le salut de l'humanité. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la puissance de Dieu. La croix, elle est la puissance de Dieu. C'est ce que Paul dit. Paul dit, la pré-
prédication ou la parole de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est en péché. Et que le péché devant Dieu est grave. Le péché nous sépare de Dieu de manière éternelle. Le péché n'a pas d'impact seulement sur le physique. Avant que le péché ne soit physique, il est d'abord spirituel. Et l'impact du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation d'avec Dieu. Donc, quand Adam et Ève ont péché, il n'était plus question pour eux de recevoir la vie éternelle ou encore d'entrer un jour dans le paradis. L'accès du paradis était fermé. La raison pour laquelle vous allez voir, Dieu va, lorsqu'il va les chasser, il va mettre à l'entrée du jardin un chérubin, des chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Pourquoi? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin étant fermé, l'accès étant fermé, l'homme ne pouvait plus accéder à la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, c'est peut-être que parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est le lac de feu. La raison pour laquelle personne, beaucoup parmi les hommes, je parle des gens de ce monde, ne font pas cas de l'œuvre de Christ à la croix. Présentement, le lac de feu n'est pas encore ouvert. Lorsque les hommes meurent sans Dieu, ils vont dans ce que la Bible appelle le séjour des morts, un lieu de tourment. Vous mourrez, on vous enterre, mais votre âme va dans le séjour des morts pour être tourmentée. Vous êtes tourmentés, les hommes sont tourmentés par les démons. Ils sont tourmentés et c'est grave. Lisez l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et tout cela attend le jugement dernier. Ce n'est qu'après le jugement dernier que Dieu va ouvrir l'accès au lac de feu et de soufre. Vous imaginez un peu un lac de feu et de soufre. Et la Bible dit dans ce lieu-là, le ver ne meurt point. Où les hommes vont souffrir. Où les hommes créés à l'image de Dieu pour vivre la félicité de Dieu vont rester dans le tourment au siècle des siècles sans issue de secours. Le péché est tellement grave que c'est à cause de cela que Dieu a décidé de quitter le ciel venu pour l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le Seigneur dit dans Matthieu 25, à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi les boucs, les maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu n'a pas préparé, il ne prépare pas le lac de feu pour les hommes, il le prépare pour les démons, pour le diable qui s'est rébellé. Malheureusement, les hommes ont choisi de suivre le diable. Mais Dieu le sachant, et à cause de son grand amour, il décide de venir auprès de l'homme. Jean chapitre 3, le verset 16. Nous le connaissons ce texte. Il est dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, les hommes, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu dit qu'il a tant aimé le monde? Parce que les hommes vont mourir. Les hommes vont périr. Au-delà de la mort physique, il y a ce que la Bible appelle la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Et c'est à cause de cela que Dieu a choisi de venir en personne. La Bible dit, les prophètes l'ont annoncé. Toutes les écritures, l'évangile même l'a annoncé. Romains 1 le dit, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par le canal de ses prophètes. La Bible dit, il concerne son fils né d'une femme. Et le problème c'est quoi? Dieu va décider de venir lui-même en chair. Alléluia. Alléluia. Il décide de venir lui-même en chair, habiter parmi les hommes, pour racheter les hommes qui étaient autrefois perdus. Et personne ne l'a cru. Pourquoi?
Parce que lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il est né, lorsqu'il est venu dans ce monde, il n'avait pas d'éclat, il n'avait pas un aspect qui pouvait attirer. Personne ne pouvait savoir que c'était lui le Fils de Dieu. La Bible dit que la plénitude, la divinité habitait dans son corps. Il était Dieu et il était homme. Il n'avait pas une beauté pour attirer les regards vers lui. Il est venu dans la discrétion la plus totale. Il est né parmi les hommes. Il a côtoyé les hommes. Il a été tenté comme tous les hommes, comme toi et moi, dans le but de mieux te secourir. Il est venu et l'ultime, je dirais, la plus grande mission que Jésus avait, c'était celle de mourir à la croix pour les hommes. Qui a cru? Retournons dans Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nous sommes aussi dans cette génération aujourd'hui où on ne croit plus, où on ne s'attache plus à cette œuvre. Et c'est la base. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Le bras de l'Éternel est venu et qui l'a reconnu? La Bible dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend? Jésus est venu. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il est venu dans ce monde afin de nous sauver. Amen. Amen. Il est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Un, nous sauver d'abord du péché. Deux, nous sauver de l'emprise du diable dans lequel nous étions esclaves. Nous étions tous esclaves du diable. De quelque manière que ce soit, le diable joue à une influence sur nous de manière directe ou indirecte. Et il est venu pour cela. Trois, il est venu pour nous arracher de ce présent siècle mauvais. Galates chapitre 1 le dit. Galates chapitre 1. Oh là là, que Dieu nous aide avec tous ces bruits. Galates chapitre 1, le verset 4. Il est dit, en parlant de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et le Père. Vous avez lu? Est-ce que tout le monde a lu avec moi? Galates chapitre 1, le verset 4. La Bible dit qu'il est venu pour nous arracher du présent siècle mauvais. Donc, pourquoi Jésus est mort? Un, il est mort pour nos péchés. Ok? Il est mort pour nous délivrer de l'emprise du diable. Et troisièmement, il est mort pour nous arracher du présent siècle mauvais. Alors, regardez mes frères, il arrive. C'était Dieu parmi les hommes. Il était rempli de la toute-puissance de Dieu. Mais personne ne pouvait le savoir. Vous pouvez le toucher, il était un homme comme vous et moi. Parce que ce corps gardait ou cachait la gloire ou la plénitude de la divinité qui était en lui. La raison pour laquelle vous allez voir, partout où Jésus-Christ passait, quelque chose se passait. Pourquoi? Parce qu'il était venu arracher les hommes de la mort. Amen. Arracher les hommes du péché. Arracher les hommes du monde. Arracher les hommes. Mais cela ne pouvait pas se manifester pendant qu'il était sur cette terre sans passer par la croix, la mort de la croix. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent que Jésus-Christ n'est pas mort. D'autres encore qui disent, lorsqu'il était sur la croix, on est venu, on a volé son corps. Vous avez déjà entendu ça, non? Alors, je veux te dire la vérité de la Bible, que Jésus-Christ a été réellement crucifié. Alors, prenez la Bible avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu
Matthieu. Matthieu au chapitre 27. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 33. La Bible dit, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils ont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Et puis ils s'assirent et le gardèrent. Et pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Et avec lui furent crucifiés les brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » Et les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en disant, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Et si le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Et il s'était confié en Dieu, mais que Dieu le délivre maintenant et s'il aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu, et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Alors suivez. Jésus arrive. Il exerce son ministère sur la terre de manière magnifique. Pendant 3 ans et demi pratiquement, où il a prêché la parole de son père, il a guéri les malades, il a délivré, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Mais le plus grand miracle par rapport au salut de l'humanité ne pouvait pas se manifester tant que Jésus-Christ n'était pas monté à la croix. Cela n'était pas possible. Alors, la Bible dit qu'on va l'arrêter. Dieu va permettre qu'il soit arrêté et malgré sa toute puissance, il va se laisser aller. Il va se laisser faire, telle une brebis muette qu'on amène à la boucherie. On l'arrête alors qu'il pouvait se défendre. Alors que lorsqu'on est venu l'arrêter avec des gardes, on pose la question, nous cherchons Jésus. Il dit, c'est moi. Vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui sont venus sont tombés. Il dit, ne croyez-vous pas que je puisse prier mon Père, qu'il m'envoie des légions d'anges pour qu'ils viennent me secourir? Jésus sait qu'il était Dieu en tant que Dieu. Il avait tous les anges à sa disposition. Qui pouvait le délivrer de la croix? La croix pour lui, ce n'était pas une faiblesse comme telle, sachant qu'il pouvait se délivrer. Lorsqu'il est arrêté devant Pilate, Pilate lui dit, est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te faire crucifier? Jésus lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné de Dieu. Alléluia. Donc, il avait le pouvoir de refuser de passer par la croix. Écoutez bien ma prédication. Hein? Jésus pouvait bien refuser d'accepter de passer par la croix. Il en avait le pouvoir. Il en avait la capacité. Mais il a accepté cela. Il a accepté la mort et l'ignominie de la croix pour toi et pour moi et pour l'humanité entière. Alléluia. Alléluia. Il s'est laissé faire. La Bible dit, on est venu, on l'a arrêté. Alors qu'il sortait de Gethsémané. On le fouette. Il a reçu des coups, mais d'une manière terrible. Il a été flagellé. Il a été insulté. Parce que quand la Bible parle de la croix, ne voyez pas seulement lorsqu'il était sur la croix comme ça, suspendu, le sang en train de couler. C'est toutes les souffrances que le Seigneur a endurées pour racheter les âmes. Flagellé. Brisé. On le suspend sur ce bois. Et on le cloue avec des clous d'une taille incroyable. Je ne sais pas si
l'un de vous ici peut supporter cela. Il a accepté. Il aurait pu dire non. Dieu m'a dit, il aurait pu dire non. Il aurait pu refuser. La preuve à Gethsémané, il savait ce qu'il attendait. Il pleure au point où sa sueur devient le grumeau de sang. Mais il ne lâche pas. Hébreux chapitre 12. Regardez ce que Hébreux dit. Hébreux 12. Le verset 3 au verset 4. L'auteur nous dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pourquoi l'auteur le dit? Parce que quand Christ a été mis à la croix, il y a eu un substitut. Il y a eu un remplacement. C'est-à-dire que Dieu, Christ, a pris la place, ma place à moi, pécheur que je suis, et il a porté ce péché à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous étions pécheurs. Nous sommes pécheurs. La nature du péché est en nous, ancrée en nous. Même lorsque nous sommes en Christ, vous pouvez être en Christ, mais sachez que vous êtes aussi, vous êtes quand même pécheurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et il fait Dieu aussi menteur. Donc, ça nous arrive de pécher. Et toute la somme de péché, lorsque nous étions sans Dieu, et maintenant que nous sommes en Dieu, et le péché de tous les hommes, sans exception, Jésus-Christ l'a pris, et l'a pris sur son corps, et il est monté sur la croix. Et il résistait par rapport à ce péché, parce que le poids du péché a entraîné la séparation de Jésus avec son Père. Jésus étant Dieu, étant saint, étant pur, il ne pouvait pas ne pas rester dans la présence de son Père. Mais le péché l'a éloigné de son Dieu, au point où il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous comprenez? Il a pris ce péché et il a résisté. Donc pendant que Jésus-Christ était sur la croix, pendant ces 6 heures, il a mené une lutte incroyable. Une lutte incroyable pour que les hommes puissent avoir à nouveau accès dans la présence de Dieu à cause du péché qui les empêchait d'entrer dedans. Laissez-moi vous dire que le péché est pire que les démons. Les démons sont des esprits, mais le péché c'est en toi. Un esprit, on peut le chasser. Mais pour la solution au péché, il fallait seulement le sang, le plus glorieux, le sang pur de Jésus. La raison pour laquelle Pierre dit, ce n'est pas par des choses périssables, vaines, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux d'un agneau, sans défaut et sans tâche. Amen. Amen, amen, amen. Il est monté et il a porté le poids. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Nous pouvons même prendre le verset. On peut même prendre la partie du verset 18. Paul dit, et tout cela vient de Dieu, et qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses ou encore leurs péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice en Dieu. Amen. Dieu l'a fait devenir péché. Portant nos péchés, il est devenu péché sur la croix. Dieu s'est séparé de lui et il est mort à cause de nos péchés. Alléluia. Il est mort à cause de nos péchés. Pour que nous, nous soyons justifiés en lui. Pour que nous recevions la justification. C'est-à-dire qu'on nous déclare, que Dieu puisse nous déclarer saints et justes. Et maintenant, lorsque Dieu regarde un enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus-Christ, il ne le voit pas dans le péché. Quel que soit le péché que la personne peut commettre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pécher. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, à cause du fait que nous acceptons l'œuvre de la croix, Dieu ne nous regarde plus tel comme tel. Dieu nous voit au travers du sang de son Fils. Il nous voit purs. Il nous voit saints à cause de ce sang. Et à chaque fois que nous tombons dans le péché, parce que nous sommes sauvés par la croix de Christ, nous devons faire référence à cette croix. La croix de Christ devient notre base, la base de notre foi. Pourquoi? Parce que notre foi est basée sur cette œuvre. Notre foi n'est pas basée parce que nous venons le dimanche ou la semaine à l'église. Non. Notre foi n'est pas basée parce qu'on donne à Dieu. Non. Notre foi n'est pas basée parce qu'on chante, parce qu'on prie. Non. Notre foi est basée à cause de l'œuvre de la croix, sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Un Corinthiens, chapitre 15. Justifié. Déclaré juste. Un Corinthiens 15. Le verset 1 à 3. C'est Paul qui parle encore. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 15, hein, le verset 1 à 3. On peut même aller jusqu'au verset 4. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et si vous le retenez dans le thème où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pourquoi? Pour nos péchés. Alors, je vais poser une question simple. Qui ici ne pêche jamais? Qui pêche? Non, je vais voir les mains. Il n'y a pas des abstentions. Soit on pêche jamais, soit on pêche. Qui pêche? Ok. Alléluia. Dis à ton voisin, Christ est mort pour tes péchés. Dis-lui, Christ est mort pour tes péchés. La Bible dit, au verset 3, reprenez avec moi, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Paul l'a reçu. Que Christ, il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc la parole de Dieu nous enseigne que la raison principale de l'œuvre de la croix, c'est le péché. C'est à cause du péché que Jésus-Christ est mort à la croix. Alléluia. Il est mort à cause de cela. Donc, parce que le péché est grave, à chaque fois que tu vas avoir des mauvaises pensées, à chaque fois que tu vas commettre le péché, mentir, frauder, voler, commettre la fornication, peu importe, le péché, parce que devant Dieu, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout ce que tu peux faire, c'est un péché. Dieu le prend de la même manière. À chaque fois que tu pèches, tu t'éloignes de Dieu, tu te sépares de Dieu. Mais la Bible te rappelle que ta force doit être la croix. Parce que à chaque fois que tu te rappelles de l'œuvre de la croix, tu ne vas plus marcher dans la condamnation. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que ils ont du mal à croire que Dieu leur a pardonné. Ils ont du mal à accepter l'œuvre de la croix, le pardon que Dieu leur a donné à la croix. Et une
Si tu n'acceptes pas que Dieu t'a pardonné, le diable sera toujours là à te condamner, à t'accuser, parce que tu verras que tu n'es pas parfait et tu ne le seras pas. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection, ça sera à l'enlèvement. Alléluia. C'est à l'enlèvement que nous allons devenir parfaits. Donc, à chaque fois que tu vas broncher de quelque manière que ce soit, rappelle-toi et reviens à la croix. La croix doit être ta force. À chaque fois que le diable veut te combattre, t'attaquer, les démons, les diables, les pensées, toutes ces choses, rappelle-toi de l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est ça qui reste ta base et ta source. Alléluia. Alléluia. Ta foi ne doit pas être basée sur les impositions de main, parce qu'il y en a qui pensent que lorsque à chaque fois ils vont venir voir le pasteur qui prie pour lui, hein, pasteur, j'ai des attaques, prie pour moi, les choses vont finir. Non, le diable ne te laissera pas tranquille. Il dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il y a des moments où nous sentons beaucoup plus d'attaques que d'autres. Il y a des moments où on se sent vraiment, voilà, la vie chrétienne, ça va. Mais dans la vie chrétienne, il y a aussi des moments où on se sent beaucoup oppressé, beaucoup attaqué. On sent même, que l'ennemi est vraiment après nous. Mais à chaque fois que tu te retrouveras dans cette situation, rappelle-toi toujours de la croix, de l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose que tu dois croire et confesser tous les jours. C'est la raison pour laquelle Paul, le texte que je vous ai donné de 1 Corinthiens, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux chrétiens. Il leur dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. À chaque fois que tu t'appuies sur ce que Christ a fait à la croix, tu es toujours dans la victoire par rapport à ce que tu vis. Si tu es face à un péché, face à l'ennemi, voire même face au monde. Le monde aujourd'hui, parce qu'à la croix, Christ nous a arrachés. Lorsqu'on t'arrache, tu n'es plus au milieu du milieu où tu as été arraché. Jésus-Christ t'a arraché. Tu ne peux plus être un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas possible. Lorsque le monde veut t'attirer, tu dois dire à ta chair que Christ a été crucifié pour moi. Ma chair aussi a été crucifiée. À cause de l'œuvre de la croix, le monde ne pourra plus m'attirer. Si notre foi n'est pas aussi solide, si l'église est aussi faible, si vous regardez bien, c'est parce que la prédication de la croix n'est pas une vie, n'est pas une expérience. J'ai dit que j'allais parler de la croix, pas comme j'en parle d'habitude. Je veux nous parler à nous, nous exhorter à comprendre l'importance de l'œuvre de la croix et à s'appuyer sur cette œuvre. Parce que tu, il n'y a rien de bon en toi. Tu verras que de t'amener vers le bas, de te ramener vers l'arrière. Est-ce que ça vous arrive? En tout cas, moi, ça m'arrive souvent, presque tous les jours. Il y a des moments où j'ai envie de tout lâcher, de tout abandonner. Mais je me rappelle toujours de l'œuvre de la croix. Regarde ton voisin, dis-lui, souviens-toi de la croix. Regarde-lui bien en face, dis-lui, souviens-toi de la croix. Alléluia! La prédication de la croix. La puissance de Dieu ne se trouve pas d'abord dans les prières. Non. La puissance de Dieu se retrouve dans l'œuvre de Dieu, dans la croix, dans la puissance de la croix. Et toi, tu dois mettre ta foi. Donc, quand tu pries, tu peux beaucoup prier et ne pas avoir la puissance de Dieu. Je ne me fais pas comprendre. Tu peux passer ton temps à jeûner, prier. Nous voyons beaucoup de personnes. Vous allez voir. Il y a des moments, il y a des temps. 2-3 mois, ils sont tout feu, tout flamme. Vraad. Tu as l'impression que là, le ciel est descendu sur terre. 3 mois après, ça va, ma soeur. Oh, pourquoi? Le problème, c'est ces personnes comptent sur leur chair. Ils comptent sur eux-mêmes et non sur l'œuvre de la croix. Je veux te dire qu'il n'y a rien de bon en toi. Ne me regardez pas, il n'y a rien de bon en moi. La chair est corruptible. Alors, à chaque fois que tu t'appuies sur l'œuvre de la croix, tu reconnais la puissance de Dieu capable de te rendre fort. C'est ça la force de la croix. Paul dit,
Il avait un problème, une écharde. Il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul continue en disant, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment pouvez-vous être fort alors que vous êtes faible? Comment est-ce que le monde peut être délivré par la mort du Sauveur? Le Sauveur arrive, quand un Sauveur arrive, on espère qu'il est vivant pour nous sauver. Mais le salut du monde par le Sauveur passe par la mort du Sauveur. Si on te dit quelqu'un qui devait te sauver de telle situation vient de décéder, tu te dis, ah, j'attendais vraiment. Mais en fait, c'est ça. C'est ça la folie, en fait. Parce qu'au moment où tu t'attendais, c'est là que tout semble fini. Mais attention, c'est tout semble fini, mais ce n'est pas fini. Alors que ça semble fini, c'est maintenant même que ça commence. Non, tu ne m'as pas compris. Au moment même où tu penses que ta vie chrétienne ne peut pas aller de l'avant, tu as l'impression maintenant, je suis là depuis un an, deux ans, cinq ans, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Ce n'est qu'une impression. Quand le grain de blé tombe à terre, il meurt d'abord. Il ne peut pas repousser sans mourir. Donc pendant qu'il meurt, Dieu est en train de travailler. Pendant que tu es face à des situations difficiles, tu es face à un mur, tu ne comprends pas, tu ne sais pas quelle sera l'issue de ma situation. Demain, ça sera comment? Tu regardes le présent. Le présent est mort. Tout ce qui est mort prouve que la résurrection existe par la croix. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis venu dire à l'église que lorsque tu es faible, c'est alors même que tu es fort. Parce que quand celui qui va agir, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce que tu ressens. Mais c'est celui qui est mort à la croix. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. La prédication de la croix est une réalité. C'est vraiment la puissance de Dieu. La Bible dit pour le salut de quiconque croit. Mon problème, ce n'est pas ce que je vis, ce que je ressens, le péché dans lequel je peux tomber, les démons qui peuvent m'attaquer, le monde qui essaie de m'attirer. Là n'est pas le problème. Le problème, où est ma foi? Ma foi n'est pas sans ces choses. Ma foi est dans l'œuvre de la croix. Et si je place ma foi dans l'œuvre de la croix, à chaque fois que je serai faible, il viendra pour me relever. Est-ce que cette résurrection entend ce que Dieu dit ce matin? Je dis que la prédication de la croix, elle est une folie. C'est une folie. Comment est-ce que quelqu'un qui est pauvre peut enrichir? Mais Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Le problème, ce n'est pas ce que tu as. Le problème, c'est ce qui est en toi. La puissance qui est en toi. Pierre pouvait dire, écoutez, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait Christ. Il avait la puissance de la croix. Donc, arrête de regarder à ce qu'il y a entre tes mains. Arrête de regarder aux apparences. Regarde à la puissance de Dieu. Qui a cru? Les gens ont cru qu'ils l'ont tué. C'était fini. On a mis dans le tombeau. Ils ont payé des gardes. Je n'ai jamais vu une tombe qui a été payée. On a payé des gens pour garder une tombe. Mais la tombe de Jésus a été gardée de manière exprès. Parce qu'ils avaient peur de quoi? Un mort qui fait peur. Je veux te dire, tu es là, mais le diable a peur de toi. Le diable a peur de toi. Les démons ont peur de toi. Ce n'est pas la présence des gardes qui a empêché la résurrection de Jésus. Malgré le fait qu'il y avait les gardes, il avait dit 3 jours, il le ressusciterait. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le releverai. Et le 3e jour, comme Dieu l'avait dit, ces choses se sont accomplies. Et je suis aussi venu te dire, le problème, ce n'est pas ce que tu veux vivre. Crois à cette parole, parce que Dieu veille toujours sur sa parole. S'il dit, tu vas ressusciter, tu vas ressusciter. Parce que la croix, ce n'est pas seulement la mort, mais la croix, c'est aussi la résurrection. Non, la résurrection sur le plan spirituel, la résurrection sur le plan financier, la résurrection sur le plan marital, la résurrection sur le plan matériel, physique, financier, tout ça, tu auras la résurrection. Quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je dis quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à une personne que la prédication de la croix est une folie. Ne cherche pas à comprendre. Où est le raisonneur? Si tu raisonnes, tu vas abandonner la foi. Si tu calcules, tu vas abandonner la foi. Si tu attends les miracles comme ça, tu vas abandonner la foi. Les Juifs attendaient des miracles. Ils ont dit, nous voulons voir, te voir faire un miracle. Jésus dit, le miracle que vous aurez, c'est le miracle de Jonas. De même qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire, le miracle selon Dieu, c'est pas comme le miracle que toi tu attends. Toi tu attends que ça vienne à gauche, mais ça viendra à droite. Ah,
Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis la prédication de la croix, c'est une folie. Toi, tu penses que à ton âge, tu ne peux plus te marier. Mais Dieu te dit, pendant que tu penses que j'ai 60 ans, Dieu déjà a préparé quelqu'un qui arrive. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, alors qu'on te dit que tu es interdit bancaire, tu ne peux plus avoir ça, tout ça, mais la puissance de la croix veut que tu crois. La Bible dit comme Abraham, il a eu la foi, espérant contre toute espérance. Il y a des moments où les situations ne te poussent pas à espérer. C'est tellement difficile, c'est tellement fini. Mais quand c'est fini, c'est là que Dieu commence. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Il faut que toi tu sois fini. Il faut que toi tu sois au bout du rouleau. Parce que je ne comprends pas. Je suis au bout du rouleau. Je ne comprends plus ma vie. Je suis au bout du rouleau. C'est à ce moment-là que Dieu maintenant se lève depuis le ciel et il agit. Et quand il agira, tu diras non, jamais homme ne peut faire comme il a fait. Il est unique. Tu ne peux pas adorer Dieu par rapport aux choses que toi-même tu peux faire. Toi-même, si tu arrives à payer ton loyer, tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu arrives à payer ton loyer. Il faut que tu te retrouves dans des situations que seul Dieu peut intervenir pour que quand il interviendra, que tu dises la gloire, la louange et l'honneur reviennent à celui qui est assis sur le trône. La puissance de la croix est une réalité. Mes frères, je vous dis la vérité, c'est une réalité. Et le diable veut nous occulter ça. Puissance de Dieu pour celui qui croit. Qui croit ici? Qui croit ici? Alors si tu crois, dis à toi-même, tout est possible. Dis comme ça, tout est possible. Je veux que, mon frère te le disait tout à l'heure, ne regarde plus les limites. Nous avons toujours des limites. Même Dieu, nous arrivons un peu à le limiter. Ah non, ça là... Non, je crois que même Dieu ne va pas le faire. Ah! Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de prouver à la race humaine? Les Juifs cherchent le miracle. Ne sois pas comme les Juifs. Les Grecs cherchent la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Je veux d'abord comprendre. Bon, moi, vous savez, j'ai fait des études. Hein? Il faut être logique dans la vie. Hein? A plus B égale AB. Donc, A plus B égale AB, c'est-à-dire que... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Des fois, la mathématique, ça ne marche pas avec Dieu. Des fois, la logique humaine ne marche pas avec Dieu. Toi, tu attends que, non, j'ai appris que Jésus-Christ, quand il t'impose le main, les aveugles sont guéris. Mais lui, il arrive devant toi, il dit, bon, il crache sur la salive, et puis il va te laver. Mais non, moi, j'attendais qu'on m'impose le main. Non, là, dans cette circonstance, ce n'est pas le cas. Quelqu'un ne comprend pas ce que je veux dire. C'est une parole d'encouragement. Dieu m'a mis juste ces paroles pour nous encourager. Alléluia. C'est magnifique. Donc, Dieu... Sa manière d'agir, tu ne peux pas le prévoir. Tu ne peux pas dire, bon, comme on arrive au mois d'août, bientôt ce mois de septembre, Dieu m'avait promis, tu commences maintenant à calculer, bon. On avait quand même dit avant la fin de l'année, quoi. Tu commences maintenant à regarder, bon. Alléluia. Je sais que les chrétiens sont comme ça. Tu commences à regarder, j'avais une prophétie, j'avais une promesse. Tu commences à calculer le jour. Non, Dieu n'est pas dans les calculs. Toi, attends seulement. Attends patiemment. Même si les gens disent, mais où est-ce? Ils ont dit à David, plus de salut pour lui en Dieu. Il dit, mais toi, tu es mon rocher, tu es mon bouclier. C'est toi qui relèves ma tête. Je dis, même à la dernière seconde, Job a dit, je sais que mon rédempteur, il est vivant et qu'il se levera le dernier. Je dis, quand même tout semble fini, il est capable de redonner espoir. Ah, la croix redonne espoir là où il n'y a plus d'espoir. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, espère encore. Dis-lui, touche-le comme ça. Dis-lui, espère encore.
Dieu est grand. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, il ressuscite tout ce qui est mort. Qu'est-ce qui est mort en toi? Ta foi? Ton zèle? Ta consécration? Tes projets? Ton avenir qui paraît sombre? Peu importe. Puisqu'il est ressuscité, il y a l'espoir de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Ah, yama sandaraba shakaraba. Oh. Oh, yes, Lord. Brando Boriama Santaria Baba Sandaraba Shekaraba. Oh, commence à prier. Demande à Dieu. Demande à Dieu la foi dans l'œuvre de la croix. Ne sois pas comme ceux du temps d'Ésaïe qui ne croyaient pas. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ce qui a été annoncé, tout ce qui a été annoncé a eu son accomplissement. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu qui veille sur son alliance. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas prier. Que Dieu puisse, oui, redonner espoir, ressusciter en toi tout ce qui était comme mort au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, prie avec moi. Oh, Rondo Boriama Sandaraba Sandaraba. Prie avec moi, prie avec moi au nom de Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Rababa Sondorobo. Oh, Ramasandara, Mashandara, Bakandaba. Seigneur, merci pour cette personne que tu touches. Seigneur, merci pour cette femme que tu guéris de problèmes de cœur. Seigneur, merci pour ces palpitations, Seigneur mon Dieu, qui quittent la vie de cette personne que tu me montres. Maintenant même, au nom de Jésus. Oh, Rababa, Sandorobo, Sondaraba. Oh, Dieu dit à une personne ici, il ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il va ouvrir un chemin dans ton désert, là où tout semble fermé. Il l'œuvre pour toi. Oh, Rabasundurubu Koryabasanda. Rindabasanda Rabakanda. Dieu te dit, espère encore, jeune fille, espère encore. Espère encore, jeune fille. J'entends cette parole dans mon esprit, jeune fille, espère encore, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Je vais incliner le cœur. Tu as prié à Dieu, tu as demandé à Dieu d'incliner le cœur de cet homme, oui, qui s'oppose à ton projet. Dieu te dit qu'il a exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière, jeune fille. Il a exaucé ta prière. Il a exaucé ta prière. Seigneur, merci au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci de rallumer la flamme dans la vie d'une personne ce matin, Seigneur. Merci de rallumer la flamme du don dans la vie d'une personne ce matin. Merci de rallumer la flamme dans la vie d'une personne ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie, Seigneur, ô Dieu, que la résurrection, Seigneur, dans nos vies soit une réalité. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous ces témoignages qui est davantage de témoignages à ta gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, Rabba Sandaraba. Il y a une femme ici que Dieu appelle beaucoup en ce moment pour la prière, dans la prière. Dieu t'appelle beaucoup à te lever. Dieu t'appelle beaucoup à te lever en ce moment dans la prière. Mais tu sens comme une lourdeur. Tu te sens un peu lourde. Tu te sens un peu lourde. Tu as du mal. Tu veux, mais tu as du mal. Tu as du mal. La main de Dieu se pose sur toi. Là où tu es, tu peux simplement poser ta main sur ton cœur. Là où tu es assise, la main de Dieu se pose sur toi. Je veux prier pour toi. Alléluia. Rumbo sonda ramana sambroto bosonda. Tu as du mal en ce moment, mais tu sens un poids. Tu sens un poids. Tu sens un poids. Tu sens un poids. Tu sens comme si Dieu t'appelle. Il t'appelle, mais
mais tu sens un poids qui veut comme te retenir. Le Seigneur, là où tu es assis, te touche au nom de Jésus-Christ. Il te touche par sa grâce et par ta puissance. Il te touche. Il te touche au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces femmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la flamme de Dieu puisse brûler dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.